Vous êtes à la capsule des jeunes d'Objectif Santé de Docteur Nature. Nous avons choisi de vous accompagner, surtout les religieux, tout le long de ces 30 jours de pénitence. Et nous validons que le jeûne, nous ne confirmons pas la partie spirituelle, mais le jeûne est un bon remède pour une excellente santé et pour une longévité. Et nous exhortons à ceux qui ne sont pas religieux de profiter de la période où tous les voisins sont en état de jeûne, de les accompagner dans cet état de jeûne. Ça ne fait que leur permettre de mettre leur organisme au repos. Alors, quels sont les éléments qui contribuent à détraquer le fonctionnement de nos cellules? Le sucre raffiné est un tueur en série. Nous allons écouter Docteur Nature et nous venons pour la conclusion. Je prends l'eau qui est la seule partie dedans qui ne nous agresse pas. On prendra de l'eau dans notre verre. Voilà. Nous prenons le café dans lequel il y a le tueur en série caché. Il y a moins 100% de tueurs en série cachés. Nous allons le mettre dans notre verre. Donc on a 100% de tueurs en série cachés dans le verre que nous venons de mettre. Dans le verre que nous de mettre. Nous prenons du lait en poudre. Pour que ce lait soit en poudre, il fallait l'expolier de la quantité d'eau. Donc pendant qu'on chauffait, le sucre naturel qui était nos amis devient notre ennemi et il devient un tueur en série caché. Donc nous allons ajouter le tueur en série caché dans le lait. Donc nous avons à 200% de tueur en série actuellement dans le verre. Nous allons prendre le tueur en série apparent qui lui ne se cache pas. Je vais prendre 3 tueurs en série. Deuxième tueur en série. Troisième tueur en série. Donc il y a 100% de tueurs en série apparents. Donc je vais prendre ma cuillère et je vais faire une réunion par ces 3 tueurs en série. Le tueur en série qui est quitté dans le café. Le tueur en série qui est quitté dans le lait. Et le tueur en série apparent qui est quitté dans le sucre. Donc j'ai 300% de tueur en série caché dans ce café-là. J'ai pris mon pain qui est du pain blanchi où il y a aussi des tueurs en série cachés. J'ai mis du beurre dedans et dans ce beurre, il y a aussi des tueurs en série cachés. Donc 100% de tueurs en série cachés dans le pain, 100% de tueurs en série cachés dans le beurre. Donc j'ai 200 de tueurs en série cachés dans ce pain avec beurre. Je vais goûter si mes tueurs en série ont fini leur réunion et ils se sont entendus comment ils vont me tuer. Quand je prends le verre à cuillerée à café et que j'ai fini de boire, je viens de consommer 300% de tueurs en série. Si je m'arrête là, je suis sauvé. Parce qu'avec ce verre à café, j'ai atteint le besoin en sucre du cerveau, le besoin en sucre des cellules, le besoin en sucre des muscles pour que je puisse faire les 24 heures. Le fait même de l'avoir goûté. Mais qu'est-ce qui se met en marche? Notre estomac, lui, pour que lui soit à l'aise, il faut qu'il soit plein avant de faire sa digestion, son péristaltisme. Lui va exiger que je mange et les 300 tueurs en série et les 200 tueurs en série pour que l'estomac soit plein. Et le fait que nous, je suis en train de sentir ça avec cette eau chaude-là, ça va susciter en moi la sécrétion d'une hormone qu'on appelle la dopamine. Donc je suis déjà heureux
Avant même d'avoir mangé les 500 tueurs en série, je suis heureux avec l'odeur. Ça me donne un état d'extase. Donc quand je prends mon pain avec 200 tueurs en série, un tueur en série dans le pain, un tueur en série dans le beurre, je viens mettre dans le café avec le lait, avec du sucre, j'ai 500 tueurs en série. Donc quand je commence à manger, automatiquement, le cerveau, qui est le général, réalise que le besoin en sucre de ce docteur Touré qui est en train de déjeuner est atteint pour les 24 heures. L'estomac, lui, il n'a pas encore plein parce que je n'ai pas mis toute cette quantité. Lui aussi, il va susciter un besoin. Donc, automatiquement, quand le cerveau va réaliser que la quantité de sucre dont lui a besoin pour que je me concentre est atteinte, il a fait sa réserve et la quantité de sucre dont l'ensemble de nos cellules ont besoin sont atteintes, il va interpeller le colonel pancréas. Alors, colonel pancréas, mets-toi en mode réserve parce que les besoins atteints à atteindre le sucre de ce docteur Touré vient d'être atteint. Donc tout ce qu'il va envoyer comme apport, il faut les transformer en glycogène et les conserver dans le magasin de stockage. Alors le colonel pancréas va mettre en marche la machine qui fabrique les insulines. Il va prendre ses tueurs en sucre, qui étaient les sucres simples, il va les composer en glycogène et puis il va les remplir les magasins de stockage. Donc pendant que je suis en train de manger, le pancréas est en train de transformer ses sucres simples en ses sucres composés en glycogène et il va remplir le magasin de stockage du foie. Il va remplir le magasin de stockage du rein. Il va remplir le magasin de stockage des muscles. Mais tant que je n'ai pas fini mon café, tant que je n'ai pas fini mon pain, je n'arrête pas de manger. L'organisme atteint la dose de la journalière, mais je continue de manger parce que dans mon subconscient, je ne suis pas encore rassasié. Voilà pourquoi tout ce qui est passé en cuisine, en industrie, quand la personne dit « je suis rassasié », il a dépassé la dose prescrite. Voilà succinctement ce qu'est le sucre blanc raffiné fait dans votre corps. Ces sucres ne sont pas indispensables pour votre vie. Ceux qui sont accros au sucre sont inscrits comme tout bon drogué parce que la dépendance, l'accoutumance du sucre est la même chose que celui qui a une dépendance au cocaïne, celui qui a une dépendance à une drogue. Donc pendant que vous luttez contre le drogué parce qu'il a créé une dépendance, vous-même, vous avez créé une dépendance au sucre blanc, raffiné, tueur en série. Il faut quitter dedans. Si vous voulez avoir excellente santé, il faut quitter dedans. Si vous voulez vivre 120 ans. Beaucoup de courage pour les jeûneurs. Nous nous voyons demain pour la bonne continuation.